Impossible de le comparer à moi. Il est bien meilleur que moi que quand j'avais 15 ans. Cette phrase fait écho du côté de la région de la Ruhr en Allemagne. À Dortmund, tout le monde est déjà admiratif des qualités de Erling Haaland, le cyborg norvégien. Alors chaque déclaration sont minutieusement analysées. De qui peut-il bien parler? Qui peut être meilleur que lui? Du côté des jeunes, l'éclosion d'une pépite allemande ne cesse d'augmenter du côté de Dortmund. Alors laissez-moi vous présenter Youssoufa Moukoko. Youssoufa Moukoko est né le 20 novembre 2004 à Yaoundé, au Cameroun. Il y passera 10 ans vivant d'abord chez ses grands-parents avant de s'envoler vers Hambourg pour y rejoindre son père, Joseph Moukoko. Ce dernier enregistre son fils à l'ambassade allemande, malgré les doutes existants sur son âge. Sa formation ne sera pas entachée. Le jeune Youssoufa a toujours avoué son attachement au football et a toujours eu la volonté de faire quelque chose de super avec un ballon rond. En 2014, il va alors débuter sa formation footballistique à l'Académie St. Pauli, un quartier proche de Hambourg. En évoluant d'abord avec les équipes jeunes des U15, il va inscrire directement 23 buts en seulement 13 matchs. Une performance qui lui a valu de taper dans l'œil d'un des recruteurs du Borussia Dortmund. En 2016, sa famille ne se pose pas de questions et l'amène dans la région de la Ruhr. Pour son jeune âge, il va tout de même débuter avec les U15, à seulement 11 ans. Et en une saison, il aura mis tout le monde d'accord avec ses 33 buts en 21 matchs. Tout va aller si vite. Il va faire la différence sur le terrain et prouver sa précocité rapidement. C'est lors d'un match contre le rival Schalke qui va le faire monter en puissance et le faire jouer directement avec les U17 dès la saison suivante. En 2017, il n'attendra pas sur le banc. Il va directement évoluer sur le terrain avec les U17. Les efforts fournis impressionnent son entraîneur qui décide de le lancer dans le grand bain malgré la différence d'âge avec les adversaires. Il va également connaître sa première sélection le 11 septembre 2017 avec les U16 allemands. Cependant, fait rare pour lui, il devra attendre sa deuxième sélection pour planter son premier but en sélection. En juin 2018, il va alors remporter la Bundesliga U17 en terminant la saison avec 37 buts en 25 matchs et terminer donc meilleur buteur de la compétition. En 2018-2019, il bat son propre record en fin de saison avec 46 buts en 25 apparitions, terminant bien entendu meilleur buteur et explosant les records de buts inscrits en une saison. À ce moment-là, le jeune natif de Yaoundé reçoit une offre stratosphérique de Nike pour s'attacher le service marketing pour une modeste somme de 10 millions d'euros. Un record pour la marque américaine qui voit le potentiel en ce jeune allemand. Tout va s'accélérer lors de la saison 2019-2020. Il est amené à jouer avec les U19 à seulement 14 ans. Lors de son premier match, il va inscrire 6 buts contre le Wuppertaler SV et découvrira ensuite la Youth League contre le FC Barcelone, devenant ainsi le plus jeune joueur à jouer cette compétition européenne. Bilan comptable de cette saison exceptionnelle, toute compétition confondue, 38 buts en 27 matchs. Son coach en U19, Michael Skip, va alors l'encenser. Il est si jeune et déjà si bon. Le garçon deviendra un jour un professionnel. C'est aussi sûr qu'une prière dans une église. Seules les blessures pourront l'arrêter. Il a une très bonne technique, une très bonne vitesse de pointe, et finit très bien les actions. Ce sont trois qualités fortes qui se rejoignent. La saison 2020-2021 vient tout juste de démarrer que le jeune Allemand ne cesse d'impressionner les U19, dont notamment un derby contre Schalke 04 qui l'amène à inscrire un triplé et répondre aux chants racistes des supporters. En 4 matchs, il a déjà inscrit 13 buts et n'est pas prêt d'en finir. Que les équipes U19 se rassurent, son club de Dortmund l'a déjà inscrit sur les listes de la Ligue des Champions pour passer pro lorsqu'il aura soufflé ses 16 bougies le 20 novembre 2020. Une telle précocité met des doutes à la Fédération Allemande de Football sur son réel âge. On sait qu'il y a déjà eu des cas avérés sur l'âge de certains joueurs provenant d'Afrique qui s'est avéré totalement faux. Ce ne sera pas le cas de Youssoufa Moukoko qui a pu prouver
que tous ces documents étaient réels et que la famille avait réussi toutes les démarches administratives pour faire valoir son passeport allemand. Les talents comme Youssoufa Moukoko sont des exceptions rarissimes. Et ce qui est exceptionnel ne doit pas forcément être imité. Au regard du développement d'un joueur, il est préférable de déconseiller ce modèle dans la plupart des cas. Fédération allemande 2017. Ce garçon a un talent exceptionnel. Et vous l'aurez compris, pour marquer autant de buts, autant avoir de sacrées qualités. À seulement 15 ans, il dispose déjà de conditions physiques d'un adulte, du haut de ses 1m79 et 75 kg. Il s'en sert pour avant tout être habile devant le but, en qualité de finisseur. C'est un véritable tueur en 1 contre 1. Il a une très bonne intelligence de placement sans le ballon pour savoir où et quand recevoir la balle. C'est un joueur habile et vif sur les contres. En usant de son endurance hors du commun, il peut surplanter ses adversaires. C'est aussi un tireur de coups francs. De par sa précision, il prend ses responsabilités pour tirer les coups de pied arrêtés. Il a un mental. Répondre aux racistes en claquant un triplé sans sortir de son match est clairement signe d'un joueur qui peut évoluer sous la pression. Enfin, joue-la comme Lionel Messi. Ça peut paraître débile de le comparer à l'Argentin et pourtant, avec un centre de gravité relativement faible, Moukoko peut se diriger où il veut sur le terrain et possède une vision de jeu pour tenter sa chance et marquer. De plus, c'est un gaucher. Youssoufa Moukoko ne veut pas se précipiter. Il veut d'abord grandir à Dortmund sous les ordres de Lucien Favre. Son plan de carrière n'est pas encore totalement décidé. Il veut juste débuter avec les pros et voir où cela le mènera. Le jeune garçon a du talent. Il est bourré d'ambition, à tel point qu'il a livré une interview au journal allemand Bild, présentant son envie de soulever un jour le ballon d'or. Alors lui, c'est simple, à chaque nouvelle saison s'offre une nouvelle section. De U15 à l'âge de 12 ans, puis de U17 à l'âge de 13 ans, pour enfin atterrir en U19 à l'âge de 14 ans. Sa progression va se poursuivre cette année où il devrait rejoindre le groupe pro en 2021. Il est même déjà inscrit sur la liste B du Borussia Dortmund pour disputer la Ligue des Champions actuelle. Je suis vraiment surpris de sa précocité, de son humilité sur le terrain. Il surclasse clairement tous ses adversaires sur le terrain et une forte habileté à enchaîner les buts. Ce ne sera pas une mauvaise idée de le voir jouer et rejoindre enfin le groupe pro, notamment dans un club comme le Borussia Dortmund. On sait que le club La Roure est un club qui aime attirer des jeunes joueurs et les mettre en avant. On l'a bien vu avec Jadon Sancho, avec Erling Haaland, Gio Reyna ou encore récemment avec Jude Bellingham. Tous ces joueurs ont réussi à s'adapter aux jaunes et noirs et ont toujours prouvé leur efficacité devant le but et notamment leur performance sur le terrain. Je pense que Youssoufa Moukoko peut vraiment progresser davantage sur ce point-là et pourra exprimer son talent match après match avec le groupe professionnel. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il a un très bel avenir devant lui.